La forêt est très riche, très généreuse. Chaque jour, les hommes tendent leurs filets pour la chasse. Ils ne doivent jamais aller bien loin dans la forêt, quelques centaines de mètres seulement. Ils vont capturer des biches, des antilopes, des sangliers, des porcs épics, des gazelles, des singes aussi. La forêt donne aussi des légumes sauvages, des fruits sauvages. Les hommes rapportent aussi de la forêt des herbes, des écorces, des racines qui guérissent toutes les maladies. Mon feu ne doit jamais s'éteindre. C'est ici que tout le monde vient chercher le feu. Tant que le feu brûle, le village vit. Je m'appelle Olébé et je suis l'âme de ce village. Aujourd'hui, ils n'ont rapporté que quelques biches. Tout va se partager à part égale entre toutes les familles du village.
Ici, chaque homme, chaque garçon appartient à une famille différente. Elvis, c'est il y a Mingité, hein? Dans chaque foyer, les femmes préparent le manioc, font cuire la viande. Le soir, les hommes vont se réunir chez moi pour manger la nourriture préparée par les femmes. Coq se battent, c'est un signe. Il va y avoir problème au village. Les étrangers dans le village viennent de découvrir qu'ils se sont fait voler toutes leurs réserves de boîtes de sardines. Le chef a tout de suite été prévenu. On découvre rapidement que les voleurs sont deux porteurs d'un village voisin et qu'ils sont venus avec les étrangers. Le chef doit juger, ici sous mon toit. Je veux retrouver toutes les boîtes. Vous êtes venus nous apporter la honte. Je veux retrouver tout ce qui a été volé. Vous m'entendez? Je ne veux plus vous voir ici. Ne revenez plus jamais ici. Dites la vérité. Sinon, on va vous frapper avec le balai sacré. Vous aurez le malheur sur vous. La culture des champs de manioc, c'est la responsabilité des femmes. Elles se regroupent en famille pour cultiver des champs plus grands. Pendant tout ce temps, les hommes vont à la chasse. Des fois, les hommes viennent leur donner un coup de main. Les femmes produisent plus de manioc que leurs besoins. Le surplus, elles peuvent aller le vendre au marché du district, une soixantaine de kilomètres plus loin. Le Rwanda, tu non? Le chef a réuni son conseil. Ils ont décidé de construire un nouvel olébé.
Moi, je me brise de partout. Depuis plusieurs mois, on a préparé les pièces de chambre pour le toit. Ce soir, avant que le soleil ne se couche, le village aura un nouvel olébé. Tous mes pouvoirs seront transférés à ce nouvel olébé. La tradition veut que les ancêtres veillent jour et nuit sur Olébé. Cette nuit, Onzié, le petit chanteur, sera le premier initié sous le nouvel Olébé. On entendra sa voix loin, loin et plus loin encore. Un jour nouveau commence pour les doigts et les Osendo.